Ah, il Ah essaye non, de non, il essaie de monter. monter. Oh, Ah, là, ça il a y fait est! le tour. Oh! Oh! Et tu as... Un petit chat? Ah non, un petit chat! Hello les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec Marie. Oui, c'est moi, ça va? Ça va et toi? Très bien, très très bien. Eh ben écoute, aujourd'hui nous sommes sur Adopt Me, parce que moi c'est un jeu que je ne connais pas du tout. Et toi, bon, comment dire, tu as des ailes, je crois que c'est un de tes jeux préférés. Oui, c'est trop bien, tu vas voir, c'est trop bien, c'est trop bien. C'est pour ça qu'on est là, hein. Alors, du coup, juste dis-moi en deux mots en quoi ça consiste. Enfin, qu'est-ce que je dois faire? Adopter. Adopter des chiens, des chats, des animaux. Oui, voilà, faut adopter. Alors maintenant, non, Adopt Me, c'est adopte des animaux, hein, très clairement. Enfin, pour moi, c'est ça. Donc là, on va aller adopter des animaux et s'en occuper. En gros, c'est yes. ça. Yes, ok. Oh, trop cool. Yes. On va prendre soin de petits animaux. Mais oui, c'est trop bien. Est-ce qu'il y a des animaux bien. Saucisses, là, comme le monsieur dehors? Moi, je non, veux des je teckels. Crois pas. Oh. Regarde, il y a tout ça. Il y a un tableau, là, et tu peux scroll ah, dessus. Ouais. Et tout ça, c'est tous les animaux qu'il y a. Oh mon Dieu, il y a des en lapins. Vrai, c'est pas mal. Il y a un lapin trop chou. Ah, il y a des trucs, ils sont trop choux. Ils sont ah, et trop, puis trop je suppose choux. Que. Attends, ah non, c'est quoi? C'est rouge, c'est les plus rares? C'est les noirs qui sont ah, légendaires. Ah ouais, c'est la licorne, le dragon et tout. Oh là là, ils sont trop beaux. Mais oui! Du coup, voilà, donc bah, tu peux pas choisir ton animal, bien évidemment. Évidemment. Tu peux choisir l'œuf avec des pourcentages. Et donc voilà, donc par exemple, le plus rare, c'est lui, forcément, cet œuf-là, t'as 8% de chance d'avoir un légendaire. D'accord. Et 30% de chance d'avoir un rarissime dedans. Ah ouais, 8% de légendaire, c'est pas mal hein, quand même. C'est pas mal, hein, franchement. Et donc, bah, c'est avec les sous que tu gagnes en jeu. Et donc voilà, tu choisis un œuf. Ok. Et on... Je suis en train de regarder, mais en fait, je crois qu'on est dans le caca parce que j'ai 125$. Ah bah là clairement oui tu es un petit peu dans le caca parce que là il y a parce que pas du coup beaucoup le seul œuf que j'ai c'est celui qu'on m'a donné au tout début, celui que j'ai oui, dans mon inventaire alors... dans mon sac lui là. Oui, bon en soi c'est un œuf pour commencer hein, il y a pas oui. de souci, je peux prendre un œuf, moi je vais en prendre un petit pour t'accompagner. Allez. Quand même cracked egg. Oh. Oh, mais c'est un œuf voilà. avec du jaune et tout. Mais c'est un peu chelou d'ailleurs parce que t'es ouais. pas censé avoir du jaune. Mais bah ouais, non. Qu'est-ce qu'elle me veut la banque? Ah, j'ai joué à Adopt Me, du coup il me donne 20$. Oui. Mais c'est gentil tout ça. Hein. C'est ton salaire de la journée, c'est trop oh, bien. Oh, c'est trop bien. En plus, elle y fait beau et tout, c'est cool. Ok. Ouais. Et alors... là, tu vois, en fait, on a des petites icônes en haut. Genre là, ton œuf il est sale. Tu vois, ton œuf a clairement ah, besoin oui. d'une douche. Ah oui, ton bébé est sale, mais dans la douche chez toi. D'accord, alors on va rentrer à la maison. Hein. C'est ça, et eh ben on rentre à la maison et du coup, oh, ils sont empilés. Toi aussi, tu les vois empilés les œufs? Ah oui! Ah non, c'est bon. Ils ne le sentent plus. Et du coup, eh ben, donc ça, c'est le but. Dès que tu as un œuf, en fait, que ce soit un pet ou un œuf, au tout début, il faut s'en occuper comme si c'était un bébé. Et quand tu t'en occupes, tu vas voir, ça va faire monter la barre et tout. C'est trop bien. Bon, trop ok, bien. Alors attendez, on va le doucher, c'est parti. On va le doucher. Bah on va aller je pense dans ma maison. Allez. Et toi tu n'as pas de douche. Parce et le moi, but ma maison, c'est pas elle que est tu toute petite, elle est toute caca. Bah non, elle est trop chou en vrai. La maison de Marie, elle moi, est trop chou. Fait rénovation. Moi. Allez. Moi, j'ai fait rénovation, tu vas voir. Ta-da ! Maison moderne. Oh. C'est stylé, hein. Ah regarde, c'est j'ai ça, même c'est quoi une ça douche, Ah c'est ça la douche. Ouais, oh, je c'est l'ai trop mis sur bien. Le mur, j'ai trouvé ça très drôle. Du coup, tu cliques dessus et tu mets prendre un bain et tu mets ton œuf dedans. Ah, il a soif voilà. Et il est lassé, oh là là, et monsieur. Déjà, ah prends bah, ta douche toi. Parce qu'on mange pas et on s'amuse pas quand on est sale, hein, voilà. Tu es sale. Tu es sale. Tu es sale. Tu es sale, petit t'as œuf. T'as vu la barre qui monte et Mais tout, oui, c'est bien ah, fait. C'est trop agréable. Et là, c'est hop, trop agréable. Ta barre qui a monté un petit peu. Et du coup, comment je lui dis, genre, viens, reviens, pick up. Voilà. Ah non, mais pause. Voilà. Et voilà, et quand il arrive à la fin de la barre noire, il va éclore. Ah, mais ça va c'est aller vite bien. Là, du coup, pour les petits œufs, en fait. Au oui, début. Ça va. Après, en je vrai, suppose ça que va. Ça va lentement, mais. Oui, après, ça va un peu plus lentement, parce qu'après, en plus, il faut que le bébé il grandisse et tout et tout. Il faut qu'il devienne adulte. Ça ah prend, oui. Ça prend 1000 ans. Mais 1000 ans, ok. Bon, et du alors, coup, déjà. Eh ben, maintenant, on va aller à l'aire de jeu. Yes, moi, il fallait qu'il mange. Hop, enfin, qu'il boive. Ouais. Du coup, je lui ai fait boire dans ta petite gamelle. Et Magnifique. Du coup, allons jouer. Il a besoin de plein de trucs. Hein. Mais ouais. Moi, il a besoin de rien. Moi, il veut juste aller jouer. Mais ça arrivait après, moi. Il voulait jouer et après, il a eu envie de boire.
Ah bah oui. J'ai fait dans le désordre. Mais je crois que là il va éclore dès qu'il va jouer, je crois. C'est possible hein. Parce qu'il est à 2/3, donc à mon avis. Oh, c'est bah ça là... l'air de jeu. C'est ça, voilà. Le toboggan, moi je vais faire du toboggan. Le toboggan. C'est vrai qu'on peut faire du toboggan. On peut faire du trampoline aussi. Ah, il y a des courses d'obstacles. Tu crois que c'est du hobby? Oui. Oui. Oh. C'est du hobby. Et ça marche pas pour ça. Le truc lassé. Je ne sais pas. Dans le doute, on peut attendre la fin de la barre. Et après, on va voir. Il y a plein de niveaux et tout. Genre, il y en a, ils sont impossibles. Ah. Genre, vraiment. Il y en a qui sont simples, mais il y en a qui sont impossibles. C'est incroyable. Ah, ton œuf, il monte. Mais, ah, moi, je peux pas. Attends, oui. Ah, mais voilà. D'accord. En fait, oui, ça fait monter en fait la barre. Je pensais qu'il fallait faire des actions. Mais en fait, tant qu'il est dans l'air de jeu, il s'amuse, quoi. Oui, c'est ça. D'accord. Et c'est ça. C'est le fait d'être dans l'air de jeu. Il est content. D'ailleurs, le mien, il est où, là? Il s'est bloqué. C'est il est trop... où mon œuf? Mais il est. Il... Regarde. Ah, il essaye de monter. Ah, il a fait le tour. Oh, oh. Et tu as un petit chat? Ah non, un petit chien. Un chien. Oui. Le petit chien. Et là, voilà. Est-ce que je peux? Ouais. Ah non. Ah si, je peux le faire monter sur mes épaules. Ah, il faut. Ah, je peux monter sur ses épaules. D'accord. Oui. Regarde, par exemple, moi, j'ai mon petit panda roux. Il est mignon. Il est beaucoup trop mignon. Et du coup, moi, je peux le monter. Et du coup, regarde. Oh, il devient énorme. Mais oui. Et c'est trop bien parce que du coup, ça devient une voiture. Ouais, parce que du coup, tu te déplaces plus vite. Oui. C'est forcément. Trop bien. Franchement, c'est trop bien fait. Mais Gusta. Du coup, non, parce du que coup, là, il est un peu jeune pour que je monte dessus. Je vais l'écrabouiller là. Un petit peu, oui. Le pauvre. Et du coup, donc là, c'est un nouveau-né. Et maintenant, bah, tu vas pouvoir le faire monter de niveau tout en continuant à jouer avec lui et faire des trucs et jusqu'à ce qu'il devienne adulte. Spoiler alerte, ça prend 8 ans. D'accord. Ça et prend 5 heures. Est-ce que du coup, ça va. Il va me demander, genre, prendre une douche ou pas, ou plus du tout, ça, c'est fini? Ah, si. Et ça continue. Ok. Ça continue, c'est juste qu'il ne demande pas tout le temps. Et voilà. Du coup, tu veux essayer les courses d'obstacles? Ouais, on peut faire ça à Lego. Ouais. Alors, attention. Alors, ah oui, il y a des étoiles et tout. Il y a mini-monde, c'est genre facile. Et après, il y a mini-île où c'est hardcore. Tu vas jamais y arriver, trop difficile, hardcore. C'est ça. En gros, c'est ça. Du coup, je te laisse en choisir un. Allez, on va partir sur 3 étoiles, tu vois. On va pas faire le facile. On va faire le moyen, quoi. Le normal. Hop. Alors attends, je donne du thé à mon œuf. Donne-lui donc du thé. Donc tu as pris l'escalade côtière? Oui, à 3 étoiles. L'escalade côtière. Hop, oui. Me voici. Yay! Et du coup, ça on connaît. Ah, sauf que ouais. C'est des hobbies de type sans checkpoint. Ah oui. Donc tu tombes. Ah, c'est embêtant. C'est embêtant. Pour 3 étoiles, c'est pas grave, mais quand il y en a 800... Oui, c'est ça. 800 étoiles, hein, bien sûr. Et en gros, si tu te trompes, tu redescends et tu recommences, quoi. Oui, en gros, c'est ça. Et si tu tombes dans le vide, tu recommences au tout début. Et t'as des récompenses si t'arrives à la fin ou pas? Tu as des hauts faits. Et si tu les finis tous, à mon avis, t'as une récompense, mais je n'y suis pas arrivée. D'accord. Je n'y arrive pas. Hop. En vrai, c'est vrai que pour l'instant, c'est assez facile. Oh, il a soif. Ça va. Oh. Est-ce que je peux lui donner à boire? Non, je ne peux pas. Attends, normalement, je peux tester. On peut faire des échanges. Ah oui. Maintenant, on peut faire des échanges. Donc, par exemple, je peux te donner du thé que tu donnes du thé à ton chien. Je vais lui donner du thé. Allons-y. Incroyable. Ah, et d'ailleurs, si on peut échanger, ça veut dire qu'on peut échanger aussi des œufs. Du coup, je pourrais t'acheter un œuf, en fait. Ah. Moi, j'en ai des sous. Je pourrais t'acheter un grand œuf. Et après, attends, moi, il a soif aussi. Peut-être qu'avec du thé... Attends, tiens, prends du il thé. Il va éclore. Et il a pris le thé. Mais ça a absolument... Ah si, d'accord. Il est en train de boire le thé. Ah, mais il est déjà un tiers de newborn. Oh. Attention. Je possède. C'est un lapin. Le lapin. Voilà. Oh. C'est la nuit. Qu'est-ce qu'il me dit? Il va aller camper. Attendez, on finit le hobby. Laissez-nous tranquille. Les carrés. J'ai glissé. Tu as glissé. Bravo, Marie. On s'est poussé sur les carrés et j'ai glissé. J'essaye d'arriver vite, du coup. Ah, mais c'est là qu'il faut aller. Ah, mais oui, du coup, tu dois tout refaire. Mais oui.
c'est pas grave, j'arrive à la vitesse de la lumière, tu vas voir, je vais te rattraper. En théorie. Je te vois, Marie. Tu me vois ? Tu me vois ? Je suis perché en haut d'une grande falaise. Fais gaffe, parce que si tu tombes, tu tombes. Hein. Ah, si je tombe, c'est la muerte. C'est la muerte. Hop, la grande falaise. Ah oui, je vois à peu près où est-ce que tu es. Mais je vois rien. Je ne vois rien, il fait nuit. Je suis juste après les carrés à bord épais, moi. Ah, tu m'as attendu ? Oui. Mais ! Mais non ! Mais non. Eh ben, c'est pas grave. Eh ben, vas-y. Vas-y sans moi. J'essaye de continuer. Ça se trouve, il y a autant, je vais tomber. Hein. C'est pas impossible. C'est possible, mais... Ouais, parce que là, par exemple, je ne vois pas grand-chose. Ah. Ah. C'est vraiment par là ? Mais... Géronimo ! Oui, je te vois, c'est par là. Oui, c'est par là. Tu es sur la bonne voie. Je vois pas grand-chose, là. Il fait trop nuit. La nuit, s'il vous plaît. Ah, il veut dormir aussi. Tu me vois sautiller à ta gauche ? Oui, je te vois. Voilà. Je vois tes ailes, là, elles brillent de mille feux. Ouais. Je brille. Et bah, normalement, après les rochers, c'est bon. Hein. C'est la dernière ligne droite. Génial. Tadam ! Je suis arrivé. Fin. Yay ! Trop bien. Tu brilles de mille feux, Marie. On se rejoint dans l'autre monde. Allez. Hop. A-t-il réussi ? Il a réussi ! Ouais ! Magnifique. J'ai eu un badge. Trop cool. Bon, bah, alors. Écoute, à mon avis, avec toutes les... si tu as tous les badges, tu vas loin. Hop. Alors, écoute, je te propose d'aller dans ma voiture. Allons-y. Je vais dans ta voiture. Et on va aller au camping. Mon pauvre chat, il court derrière. Et ton lapin aussi. Ah bah mon lapin, il a abandonné. Il s'est barré. Il s'est barré. Parce que ouais, il y a un camping. T'es trop mignon. Et c'est genre... Il y a c'est un genre, terrain de foot et tout. Enfin, de foot, ouais. Le petit village, il est bien fait, hein, je trouve. Bon les amis, il y a eu un petit problème technique, mais nous sommes de retour. Du coup, nous avons été à l'hôpital, nous avons été à l'école, et mon chien est devenu junior. Il est plus grand. Incroyable. Il est plus vieux d'ailleurs que ton rabbit. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais attends, je le prends. Ah ! Je savais pas qu'on pouvait faire ça. C'est trop mignon parce que ouais, on est dans la même famille. Bah du oui, coup, du coup, c'est trop bien. Oh là là, me gusta. Je vais te montrer un autre truc avec les animaux. Ah, dernier truc. Tu vas voir. Ils ont mis quelque chose de génial. C'était la semaine dernière. Il y a un endroit secret. Un endroit secret. Secret. Sous ce pont. D'accord, sous le pont. Tadam ! Ah oui, il y a une petite maison. Il y a une petite porte. Et là-dedans, en fait, c'est là où on peut avoir des shiny. Oh oui, mais pas des shiny, ça s'appelle des néons. Des néons. T'as vu comme ici. C'est trop beau. C'est trop beau. Et là, en fait, il faut mettre 5 animaux qui sont full adultes et qui sont pareils. Ah ouais, genre 5 chiens, quoi. Ouais, voilà. 5 chiens full adultes et le cinquième deviendra néon. Oh. Et c'est trop bien. Du coup, là, actuellement, moi, j'ai 5 pandas roux. J'en ai un qui est adulte, 2 qui est adulte, 3, 4... Et il me faut le cinquième. Oh, le cinquième, il est post-adolescent. Post-adolescent, donc il est bientôt. Donc, soon, moi, je pourrais avoir un néon. Un pantarou néon. Je sais pas du tout à quoi ça ressemble. Mais, il va devenir bleu fluo. Mais c'est ça, c'est les shiny. Genre, apparemment, vraiment, il brille de mille feux et tout. C'est incroyable. Franchement... Donc voilà, c'était la dernière... C'était la petite découverte du coup de Adopt Me. Je m'attendais pas du tout à ça en fait, parce que moi j'étais resté où on va élever des enfants quoi. Soit t'es le papa, soit t'es la maman, ou t'es le bébé quoi. Ah non, là c'est beaucoup mieux. Oh là là, c'est trop bien, Tamagotchi, maintenant on prend soin des... Mais c'est ça, c'est Tamagotchi, ouais. En fait tu m'avais dit c'était Tamagotchi, mais là c'est vraiment Tamagotchi, c'est un truc de fou. Bah hein. C'est ça, hein. C'est incroyable, et en plus regarde mon plus rare comme il est beau. Regarde, il y a un dragon. Oh mon dieu. J'ai un dragon et tout, mais c'est trop bien, c'est franchement... En plus, voilà, chou- oh mon dieu. Oh. C'est trop bien. Et c'est moi, pareil, un dragon néon et tout, oh là là, oh là là, oh là là. Ah ouais. Bon, je sens que je vais jouer un peu plus que prévu à ce jeu, hein, voilà. En tout cas, les amis, du coup, eh ben, je pense qu'on va s'arrêter là. C'était la petite découverte de Adopt Me. Si jamais ça vous a plu, bah, n'hésitez pas, on pourra à l'occasion en refaire. Si jamais il y a des nouveaux pets et tout ça, ça pourrait être trop cool.
Oui. Et du coup, et ben les gens, on se dit à très bientôt. Ciao tout le monde. Ciao.